Salut, moi c'est Ludo. Alors aujourd'hui on va essayer une Indian Scout. Enfin pas que aujourd'hui, ce week-end complètement. On va se rendre à Biker Syndicate à Lausanne. Et c'est qui m'amène? Bouh, c'est moi. Allez, à toutes. Je l'ai pendant un week-end la scout, on va bien s'amuser. Cette 60 au premier abord, elle est légère et elle se prend au jeu. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait le choix de demander à essayer cette moto. Mon pote Pierre a bientôt son anniversaire. Et la scout, c'est la moto qui s'est mise dans la tête pour la prochaine. Fallait bien trouver une excuse pour l'essayer. Bon, on est bientôt arrivé. En plus, j'ai même pas encore vendu la mèche. Donc il y aura une grande surprise pour Pierre. On est posé. On est posé. On va conduire un véhicule particulier ou bien? C'est possible. Ah, sérieux? Ah, trop cool. Alors, ça fait plaisir. Ah ouais. Magnifique. Vu que en fait c'est quand même un chopper quoi, c'est une Indiane. Moi ce que je te propose c'est que je m'habille un petit peu plus motard quoi. Je vais en chier, il fait super chaud là-dedans. Bon, il est temps de t'expliquer un peu ce que c'est cette 60. C'est un bon V2IM de 999 cm3. Boîte 5 vitesses et 78 chevaux pour 256 kg. De 2017, cette bécane a passé aux normes Euro 4 avec un bon succès pour elle et sa grande sœur, la Scout. Toi, t'as vraiment envie d'acheter une Indian, du coup. Ça fait un petit moment que je lorgne sur Indian. Ouais. J'aime beaucoup les motos américaines, tu le sais, hein, depuis gamin, j'aime les Harley et tout. Et c'est vrai que j'avais vu le film Burt Monroe, ouais. Puis c'est vrai que ça m'a donné un autre rêve. Le rêve de cette marque qui est peut-être des fois un peu moins connue qu'Harley, ça en fait presque plus une légende, vraiment mythique pour moi, Indian. Ouais.
Alors, mon chopper de référence à l'époque, c'était la Shadow 1100. Alors, là, c'est la première fois que tu as essayé une Indian, ou bien c'est... C'est la toute première Indian sur laquelle je pose mes fesses pour aller faire un tour. Ouais. J'ai déjà essayé comme ça, salon de la moto ou des choses comme ça, mais pour aller faire un tour, vraiment, pour commencer à faire des tours de roue, ouais, c'est la première fois. Ouais. Merci, d'ailleurs. Mais de rien, ça fait plaisir. Alors, écoute, c'est que du bonheur. Ouais. Ouais. C'est que du bonheur, ce petit Indian, parce que c'est... Elle est sympa, elle va bien. Moi, ce que j'aime bien sur cette Indian, vraiment, c'est le look, quoi. Tu vois vraiment le moteur qui est complètement à l'extérieur, puis t'as des finitions de malade, quoi. T'as les symboles Indian un peu partout, sur les blocs moteurs et tout. T'as c'est rien. La finition, c'est tip-top, hein. Ouais. T'as un moteur qui est très souple, donc c'est de la moto de balade, etc. Qui, si on attaque haut dans les tours, à 6-7 000 tours, on sent quelque chose qui crache, quoi. Ouais. Après, c'est une moto qui va peut-être monter à 10-11 000 tours, donc ça ouais, reste de la moto de balade. D'ailleurs, le compteur, on le voit, si on regarde le compteur, il monte clairement jusqu'à 120, puis après ça, les aigus jusqu'à 200, et ça s'est bien resserré, quoi. C'est vraiment... Ouais, la petite selle, d'ailleurs, justement, au niveau du confort de la petite selle, moi, ça m'a vraiment étonné quand je suis monté dessus pour la première fois, que je pensais que c'était tapu. Mais finalement, c'est super confortable, quoi. La position, c'est presque un fauteuil, quoi. Alors, la mousse est très très confortable, la selle elle-même est très confortable. Niveau prix aussi, franchement, c'est pas des motos qui sont encore trop chères. Ça, c'est l'entrée de gamme, la 60, c'est l'entrée de gamme. Mais c'est une belle entrée de gamme, franchement. Magnifique bécane. Les finitions aussi, franchement, jusqu'aux jantes. C'est la Rolls-Royce des bécanes pour moi. Ouais. Après, point faible, la sonorité. La sonorité d'origine, ils auraient pu améliorer ça. La sonorité est belle. Ouais, on sent qu'il y a du coffre, mais... Euro 4 Alors, la souplesse du moteur, elle est super agréable. Maintenant, il y a un... Ça peut être aussi un point faible pour certaines personnes, parce que cette souplesse, que ça soit suspension, moteur, etc., qui pardonnera tout aux pilotes débutants. Ouais. En revanche, un pilote expérimenté qui voudrait des fois un peu plus gazé, un peu plus, il aurait peut-être envie de suspension un peu plus dure. Ouais. Si je devais choisir entre une 60 ou une Scoot, je pense sincèrement que j'opterais pour la Scoot classique. Moi, franchement, pour l'usage que j'en ferais, la 1000 me suffirait. Ça te change de ton cycle moteur, la W800 ? Bon, alors c'est bon, t'es bien posé là. C'est cool là, quand même. Tu t'es bien habitué, c'est bon. Faut la rendre. Voilà, maintenant faut que tu me redonnes les clés. Non. Redonne-moi les clés. Donne les clés. Pierre, les clés. Les clés.